Et c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix de Monaco. Monte Carlo, simplement. Ce qu'on va faire du coup, bon c'est le circuit Monaco, donc ça réserve pas mal de monde sur le tracé. Donc on va faire directement la séance de qualification. Au niveau des réglages, on va faire appui aéron, on va le foutre un peu plus haut, ça c'est logique. Les rapports de vitesse, on va les mettre plus bas. Suspension un peu plus dure, puisqu'on est sur Monaco. Comme ça, bon c'est parti. Allez, sortie des stands. Ah, par contre je vais juste faire une petite amélioration graphique. Voilà, donc on se retrouve pour les qualifications. Sortie des stands à l'ancienne. On va essayer de faire gaffe un peu là. Oh là là. Allez, c'est parti, on est lancé. On va voir si le jeu respecte le circuit ou si le circuit est vraiment mal fait. Bon, pour l'instant, j'y vais tranquillement. Je sens qu'on va, on va sûrement galérer sur ce circuit, je sais pas pourquoi. La seconde de retard, c'est normal, hein. Pas encore dans le tour lancé. En fait les vibreurs ont l'air vachement, vachement relevés. Du coup j'ose même pas aller dessus. Et là, ils ont carrément mis un mur. On voudrait tricher. Regardez-moi ce passage. Même la Minardi qui est plus rapide que nous. Excellent. Enfin non, pas excellent, mais bon. Et c'est parti. Bon, petit ralentissement dans la ligne d'arrivée, c'est classique. C'est parti pour le premier tour chrono. Le drapeau violet, je pense que c'est un petit bug. J'ai le public qui fait oh, oh mon dieu, il a touché le mur. Wow, j'accélère un peu fort là par contre. Voilà, c'est pas évident hein. C'est vraiment pas évident d'attaquer là. Grosse concentration là parce qu'il va en falloir. Oh, meilleur temps! On va quand même voir si on peut améliorer parce que regardez la pole tourne 1.22. Enfin, on est, c'est notre meilleur tour, hein, mais. Alors que j'améliore un peu mes trajectoires parce que sont quand même, je le vois énormément, hein, vous en rendez compte. Je suis d'un côté de l'autre de la piste, c'est que j'ai pas le temps d'enchaîner. Ouais, bonne accélération, on utilise un peu le mur. Ah là, par contre, j'ai perdu du temps. Voilà, que c'est trop fort, j'ai l'air qui se dérobe, donc c'est pas évident. Là, je pense que je suis mieux sorti. On va voir si on peut faire encore mieux. En avance, regardez les fumigènes. Parfait, cette chicane est bien, bien négociée. Là, c'est pareil. Ouais, on va taper un peu. On risque d'être gêné par la Jordan. Non, ça devrait aller. Oh, j'ai tapé le mur. J'ai tapé le mur au ralenti, mais j'ai tapé le mur quand même.
On a fait mieux, une seconde de mieux. Oh, oh. Oh, je l'aurais mis avant là. Allez, c'est parti, stand. On va faire fin de session. Je sais pas quel framerate on va avoir, donc potentiellement je vais redescendre en, en résolution normale. Faire hors session. Pas retour. Fin de session. Et j'ai mis une seconde à Michael Schumacher. Bon, ça c'est pas mal parce que ça veut dire que là on est en pole. Et que du coup, bah, si on fait pas trop de bêtises, on devrait pouvoir rester devant. Il devrait faire gris pour la course. Bon, bah, tiens, on va rester comme ça. On va garder les pneus tendres. Et c'est donc la pole position hein, pour Enrique Bernoldi. Je sais que je suis passé directement la grille de départ, mais. Oh, regardez qui était derrière nous. Bon, on a une Ferrari, deuxième Ferrari. Bon, bah, classique. Hein. Ouais, je pense que c'est toujours les mêmes en fait. Force, on commence à connaître. Alors, l'avantage que je vais avoir, c'est au niveau de la framerate. Comme je suis devant, logiquement, je dois avoir moins de problèmes de ralentissement. Ah, très mauvais départ, très mauvais départ. Ouf, j'ai essayé de faire gaffe. Non, plus me faire un temps. J'ai vu une Renault là qui a l'air bien classée, une Jordan aussi. C'est parti pour les 10 tours du Grand Prix de Monaco. Je sais plus qui me disait, ouais, j'aurais dû mettre en mode dur. Effectivement, je pense que j'aurais peut-être dû mettre le niveau de difficulté maxi. Parce que bon, là certes, on s'en sort bien. Bon après, il faut que ça en a galère un peu, hein. J'ai pas gagné toutes les courses non plus. Mais avec une arrose, ouais, c'est quand même un peu au-dessus des espérances. Peut-être que si j'avais pris le mode difficile, bah, ça aurait été qui logiquement, et plus réaliste aussi. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour je le referai en mode dur. Ça mange pas de pain. On prendra peut-être pas la rose quand même, peut-être pas déconner, mais peut-être qu'on prendra la, je sais pas, la Jordan ou rien, la Renault. Voir un peu ce qu'on peut faire avec. Oh, le ralentissement. Ah, la Ferrari qui roule bien, hein, mine de rien, elle a un bon rythme. Autant en qualif, là c'était là, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression. En qualif, elle galère, mais par contre en course. Ah, le problème que je vais avoir, c'est que ouais, je peux pas accélérer trop fort. Oh la vache, vous avez vu, c'est pas forcément les voitures dans les stands, hein, parce que là ça galère alors qu'il y a personne normalement dans les stands. Oh, il y va, et dans l'accélération, et non. Ah, par contre, pour doubler à Monaco, là ça va être compliqué. Hein. Enfin, en doublant de manière ferme, évidemment. C'est ce que j'essaie de faire depuis le début de la saison. Oh là, j'ai manqué totalement l'enchaînement. Voilà. Quand t'as une voiture qui couvre toute la largeur de piste, on peut pas faire grand chose. Alors, à moins de la piquer au freinage là, ah, mais regardez l'accélération qui est là. Ah, c'est là où je vais perdre un peu de. La perte de from rate à l'entrée de la chicane. Bon, pas grave. Je dis c'est pas grave, mais la perte de from rate, mine de rien, c'est un truc qui empêche de bien rouler, puisque on est obligé de compenser des fois le fait que ce soit ralenti. Et ça repart surtout en accéléré d'un coup. Oh, attention. Ah non, là je peux pas passer, là je peux pas passer. Ah, j'aurais fait ça dans F1 2006 là. Bon, je me serais coupé en deux. Freinage. Alors j'ai quand même. Si, je vais quand même réduire un peu l'affichage histoire d'accélérer un peu. Ce sera mieux, plus agréable pour tout le monde. Voilà, comme ça on aura une framerate un peu plus constante. Enfin, je pense, un peu plus constante. Bon, certes, ça sera plus moins joli, mais bon. On a son coéquipier qui est remonté. Ah ouais, je peux pas faire grand chose. Oh si, extérieur. Oh putain, j'ai tapé. Oh, j'ai tapé complètement à l'accélération. Je vais me rapprocher dans les sous le tunnel. Je pourrais pas le piquer au freinage comme ça, hein. Il y a vraiment trop d'écart, voilà.
je fasse gaffe. Attention. Ben, je sais pas encore, je vais peut-être pouvoir le doubler. Peut-être ici. Si je prends mieux l'accélération maintenant. Ah non, même là. Oh, la traction control qui a marché à plein bloc. Si on réussit à leur accélération. Et comme la Ferrari est meilleure que moi. Ouais, non, je peux pas. Oh! À l'extérieur, non. Peut-être pas exagérer non plus. Est-ce que je suis piqué à l'intérieur? Oui! Ouh! Oh yes, beau dépassement. Moi, je suis content. Dépassement propre. On s'est même pas touché en plus, nickel. Bon, voilà, du coup, je vais pouvoir commencer à prendre mon rythme. Parfait. Bon, ben là, c'est bon. Je pense que ça devrait être plus simple maintenant. J'ai réussi à bien la prendre pour une fois la chicane. Vous avez vu le monde, le nombre de détails qu'il y a partout là. On s'étonne que la frame rate elle baisse quoi. Il y en a vraiment beaucoup quoi. Allez, cinquième tour. Un petit peu trop à l'intérieur. En tout cas, c'est grisant hein, comme tracé. D'un coup, on n'aura pas fait mieux. Ouh là là. Et ouais, petite touchette. Alors j'ai eu du bol, hein. J'ai pas cassé quoi que ce soit. Ça aurait très bien pu. Passer près de la correctionnelle là. Alors regarde, hop là. En fait, on peut vraiment légèrement prendre l'intérieur parce qu'il n'y a pas de vibreur. Et du coup, on peut plus accélérer. C'est pareil, hein, je pense que je prends bien extérieur intérieur. Ouais. Par contre, il faut vraiment que je fasse gaffe à cet endroit. Hein. Chaque fois, je tape fort. Pour l'instant, ça va hein, niveau dégâts. Mais vous avez vu, j'ai un pneu qui est un peu plus chaud que les autres. Ce fameux pneu justement que je viens de taper plusieurs fois. Encore 1.19, je tourne en 1.20.331 en record du tour. Encore il y a quand même chaud à battre hein. Maximale, je vais essayer de battre le record du tour en 19. Ça peut être compliqué, mais bon, on va voir jusqu'où on peut aller. Oh, attention! Passer la chicane Verstappen. Je l'appelle la chicane Verstappen parce que le nombre de fois où il s'est planté à cet endroit. Oh la vache! Bon après c'est pas la même variante hein. Là il y a le mur direct. Alors j'ai fait mieux, j'ai fait une 19.9, par contre j'ai tellement loupé mon deuxième partie de tracé que. Attention quand même. Pas une Senna, hein. Senna à Monaco, le mec il vole sur. Il marche sur l'eau, mais en fait c'est tellement rapide qu'à la fin il se déconcentre et il abandonne. C'est un peu bête de finir comme ça.
c'est là où j'ai perdu un peu de temps. Ah, pareil. Ah, et voilà, j'ai encore pris trop l'intérieur. Vous avez vu, je peux traverser le mur limite. Bizarre quand même. Pff, oh la vache. Allez, c'est parti. Est-ce que je vais battre le record? 19-2. Oh, je suis à la limite, hein. Là, vraiment, je donne tout ce que je peux. Chose dont on est là, c'est que je touche. Ah, on est pas mal, on est pas mal. Pareil, j'ai gagné encore un peu de temps. Allez, soyez d'arriver. Oh yes. Oh, une 18-7, mon dieu. Il doit se feinter d'aller très très la ligne à cette allure. Ça fait plaisir, hein. Vous voyez, quand on s'améliore, on fait en mesure. Bon, là par contre, je pense que je vais pas pouvoir faire mieux parce que là, je vais quand même dans le dernier tour. 19 secondes à Schumacher. À Monaco, avec une Arrows. La Arrows, il me semble qu'elle a marqué des points à Monaco en 2002, si j'ai pas de bêtises. Arrows, souvent, elle était très bonne à Monaco. Enfin, en tout cas, elle était en 98. Elle était pas trop. Dans 99. Attends, j'ai dit n'importe quoi en fait. Non, c'était qu'en 98, elle était pas mal, ils avaient fait le meilleur temps même en essai libre 4. C'est bizarre de dire le mot essai libre 4 alors que maintenant l'essai libre il n'y a plus grand chose. Et on va arriver sur la ligne d'arrivée. Les derniers virages. La victoire de notre équipe. Ah non, mais il reste deux tours en fait. Voilà, je me suis emballé moi. Ah, je suis vraiment emballé. Ouais, le tour va être beaucoup plus long, je pense. Non, même pas, j'ai battu le record encore! ...1873. Là, par contre, on est dans le dernier tour. Ça fait penser à... Je sais plus qui s'était trompé en F3000 en 2004, là, qui avait laissé la victoire à Chiesa. Mais qui avait ralenti juste avant la ligne d'arrivée, il pensait que c'était la ligne, et en fait non. Du coup, il y a Chiesa derrière qui va remporter sa première victoire en F3000. Avec le team Den Blavis, il me semble, je crois que c'est ça. Et qui sait d'ailleurs qu'il va pouvoir faire une pige en F1. Non, c'est même pas grâce à ça. Tous les risques, c'est la rage de vaincre. Ouf, ouais, non, là par contre. Bon, ça va, ça a tenu quand même niveau dégâts. Ça s'est plutôt bien passé. Et victoire. Parce que là, vraiment, je pense que j'aurais été sur un jeu un peu moins permissif. On aurait vraiment pris tarif. Trulli finit 7ème, ah, j'ai cru qu'il avait marqué des points. Ralf Schumacher, bon, Montoya. Du coup, c'est Coulthard qui finit 9ème, ouais, qui est un peu loin. Ezikela, Felipe Massa, Mika Solo 12ème, McNish 13ème, pas mal aussi. Nickel fait 14ème. Il est combien notre équipe? 20ème! Oh là là. Il fait pas honneur, hein, Hitfeld, à ses vrais résultats à l'époque.
Et du coup, au championnat après la course 7, on est toujours en tête du championnat, mais pour 10 points cette fois-ci devant Mick Schumacher et Rubens Barrichello. Les deux pilotes Williams, 4ème, 5ème, à 13 et 11 points. Suivant ensuite les deux McLaren, Mercedes de Dale Coulthard et Kimi Raikkonen, 10 et 7 points. Et Jenson Button, le meilleur des autres, 1 point pour les teams Renault. Au championnat constructeur, Ferrari est en tête avec 84 points, Orange et Rose, pardon, et 2ème, 56 points. On est devant BMW Williams avec 24 points, McLaren Mercedes 4ème avec 17 points, Renault 5ème avec 1 point, et toutes les équipes derrière sont à 0. Sachant que c'est Jordan qui avait eu le pilote le plus haut classé, donc reste pour le moment 6ème. Eh bien écoutez, on va se retrouver pour la suite. Et en attendant la prochaine, à tout le monde.